et une carrosserie. Un portrait encore noirci par les violences subies par les deux jeunes femmes durant leur jeunesse. Aujourd'hui, cela fait un an qu'elles sont incarcérées à la prison de Lenay. Voilà pour le profil. Davantage d'informations aussi sur les circonstances de ce délit. Oui, alors tout à fait. Au départ, elles voulaient cambrioler un solarium. C'est pour ça qu'elles ont un petit biche avec elles ce soir-là. Finalement, elles pénètrent dans la bibliothèque. Elles vont y rester 4 heures. Elles vont fouiller tous les locaux et même tenter à plusieurs reprises de forcer le coffre-fort, mais sans succès. Finalement, elles décident de mettre le feu. Elles vont même allumer plusieurs foyers pour, selon les dires de l'une des accusées, que ça aille plus vite. La suite, on la connaît. Les bâtiments administratifs sont complètement détruits. Aujourd'hui, on estime les dégâts à 1,5 million de francs. Et pour cet incendie, les deux jeunes femmes risquent au minimum un an de prison. Merci, Jessica.